J'ai pas l'habitude de rédiger des articles. J'ai pas l'habitude finalement d'aller creuser comme ça un sujet. Bonjour, je m'appelle Marie-Émilie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français. Et je fais partie de l'opération Stratégie les 15. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette opération éditoriale, c'est d'être sorti de, de mes limites de, de confort et finalement de me prêter un exercice auquel j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude de rédiger des articles, j'ai pas l'habitude finalement d'aller creuser comme ça un sujet. Et ce que j'ai voulu dans, dans la façon de traiter le, le sujet qui est le mien, c'est-à-dire la médiatisation des, des parasports, c'est d'aller chercher un regard différent avec des acteurs de, de notre secteur pour vraiment approfondir ce sujet qui me tient à cœur. J'ai particulièrement apprécié de vivre cette conférence de rédaction le 31 janvier parce que j'ai aimé finalement la, la diversité des profils qui étaient présents euh, autour de la table parce que déjà c'est ensemble euh, que nous créons finalement ce, ces jeux olympiques et paralympiques que nous créons l'engouement, l'émotion aussi que dégageront ces, ces jeux. Et d'avoir comme ça autour de la table les différents points de vue, la façon dont les différents protagonistes souhaitaient traiter de ces jeux. J'ai trouvé ça très complémentaire. Et ça nous permettait, voilà, de démontrer que, bah, finalement, les jeux olympiques et paralympiques, c'est pas simplement deux quinzaines de sports, c'est bien plus que ça. C'est aussi des sujets de société qui peuvent être traités et qui en engagent un grand nombre de parties prenantes.